Kangoudie Marc Prosper, Moulka Moulanga Moulamba, Dan Moulamba Kangoudie, tous enfants mineurs et leur mère Marie-Louise Ndoya Moulamba, assignent Louis Moulamba Kangoudie, père et époux des partis civils. Le conservateur des titres immobiliers de la circonscription foncière de Kassavubu et Emmanuel Jikai Kabuya au tribunal de grande instance de Kinshasa-Kalamu pour un conflit parcellaire. Les faits remontent au 1er avril 2015. Selon les avocats de la défendresse Louis Moulamba Kangoudie, son client aurait cédé un immeuble situé au numéro 117 de l'avenue Faradje, dans la commune de Kassavubu, à ses enfants les requérants. La cession entre père et fils avait porté à la connaissance du conservateur des titres immobiliers de la circonscription de la commune de Kassavubu qui attendait les frais pour opérer une double mutation. Les demandeurs auraient été surpris par une ordonnance du tribunal de commerce de la Gombe portant autorisation d'enregistrement de l'immeuble au motif que le défendeur Louis Moulamba Kangoudie serait débiteur du troisième défendeur Emmanuel Jikai Kabuya. Le conservateur des titres immobiliers aurait accédé à cette demande. Les avocats des requérants demandent au tribunal de dire recevable et fondé la présente action et ordonner l'annulation du certificat d'enregistrement folio AKM 10, folio 55 du 2 février 2019 et condamner les assignés au paiement de 150 000 $ américains pour les préjudices subis. Ceci, quoi qu'on dise au tribunal, va ordonner, il dira d'abord, recevable et amplement fondée cette action mue par les enfants mineurs qui sont dans la rue. Je suis parent et je mal, ces enfants-là sont dans la rue. Et votre auguste tribunal va ordonner l'annulation. Parce que même d'ailleurs, le certificat a été attaqué dans les délais. Il n'avait pas encore atteint l'âge d'inattaquabilité. C'est-à-dire il n'avait pas encore dépassé deux ans. Votre auguste tribunal va ordonner l'annulation pure et simple du certificat d'enregistrement volume AKM 10 folio 55 du 2 février 2019. Votre auguste tribunal ordonnera la distraction de la saisie immobilière ordonnée sous les commandements aux fins de saisie immobilière suivant le numéro RH6288. Condamnera in solidum les assigner au paiement au requérant de la modique somme de 150 000 $ américains payable en francs congolais, notre monnaie locale. Les avocats de la partie défendresse Louis Moulamba Kangoudie affirment que l'ordonnance du tribunal de commerce est postérieure à la demande de mutation. Ils soutiennent que la saisie du dit immeuble est irrégulière. Ils demandent au tribunal d'ordonner la distraction de la saisie sur l'immeuble appartenant aux enfants de leurs clients et condamner le troisième défendeur au paiement de 150 000 $ à titre de dommages et intérêts. Cette ordonnance est postérieure à la demande de la mutation déposée par mon instant. Cela, plusieurs oppositions antérieures à cette ordonnance ont été adressées au conservateur des titres immobiliers. À ce jour, Monsieur le Président, la saisie de cet immeuble serait aberrante. En violation du précis de l'article 14 de la loi dite foncière, pour toutes ces raisons, Monsieur le Président, nous allons ordonner la distraction de la saisie sur l'immeuble appartenant aux enfants mineurs. Les avocats du défendeur Emmanuel Jikai Kabuya, pour leur part, affirment qu'un mineur ne peut saisir la justice sans leur représentant. Ils demandent au tribunal de déclarer cette action irrecevable pour défaut de capacité. Un mineur peut-il saisir la justice sans qu'il soit représenté par ceux dont la loi qualifie de représentant de mineur? Vous allez déclarer cette action irrécevable pour défaut de capacité.
Le ministère public sollicite du tribunal la communication du dossier pour son avis écrit. Après avoir entendu toutes les parties, le tribunal clôt le débat et décide de communiquer le dossier au ministère public pour son avis écrit, à être lu dans le délai de la loi.